Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, si vous étiez en train de faire quelque chose, arrêtez et soyez concentré. Parce que la vidéo que nous allons faire, c'est une vidéo qui est très très importante. C'est dans le calcul des fondations superficielles. En fait, la fondation superficielle que nous allons utiliser ici, c'est un radier général. Donc, ce n'est pas une semelle isolée ou bien des semelles filantes, c'est plutôt un radier général. Déjà pour commencer, le radier général, c'est une dalle, c'est une plateforme qu'on fait au niveau des fondations, parce que soit nous avons une mauvaise pente du sol, c'est-à-dire la capacité pente du sol est très faible, ok? Par exemple, nous pouvons avoir une contrainte qui peut être à 1 ou bien moins que 1. Déjà, on a une contrainte qui est faible, du coup, on fait appel à un radier général. Deuxièmement, on peut avoir beaucoup d'eau dans le site, c'est-à-dire le site est rempli d'eau. Du coup, ça ne nous permet pas de bien faire les fondations à semelles isolées. Ou bien, vous avez une descente de charge très importante. OK? Par exemple, vous avez sur un terrain. Par exemple, ici c'est 10, ici c'est 15, c'est 150 mètres carrés. Vous avez un très très grand bâtiment et la descente déjà devient très importante et les semelles se chevauchent. Donc, on est obligé de créer cette plateforme, c'est-à-dire ce radier général. Comment on fait pour prédimensionner? Il y a des formules empiriques qu'on utilise pour prédimensionner un radier général. Parmi laquelle, vous pouvez utiliser la formule très simple. Par exemple, vous pouvez utiliser, j'ai un document que j'ai créé sur le radier général. Si vous écrivez en commentaire, je peux vous donner par exemple épaisseur du radier que je peux appeler H ici, H radier. OK? On se dit que ce sera le nombre de niveaux, OK, qui sera multiplié par 10 cm. OK? Donc du coup, si vous avez 4 niveaux, donc vous aurez 4 multiplié par ça. Si vous avez 10 niveaux, vous aurez 10 niveaux multiplié par 10. Donc, du coup, vous aurez un radier de 1 mètre d'épaisseur. OK? Du coup, pour notre cas, nous avons un bâtiment de 9 étages, je crois. Et les 9 étages sont là. Je vais vous montrer. Nous avons un bâtiment, je crois, de 9 étages. OK? Très bien. Maintenant, nous, ici, nous allons étudier le radier général. Donc, ici, le niveau, nous sommes au radier général. Voilà. Déjà, nous avons prédimensionné sur radier et nous l'avons à 90 cm. Maintenant, après avoir dimensionné le radier, par exemple, ou bien après avoir prédimensionné le radier, il faut vérifier beaucoup de conditions. Quelles sont les conditions qu'il faut vérifier? Il faut vérifier s'il n'y a pas poinçonnement. C'est-à-dire, le poinçonnement, c'est quoi? C'est une déformation due à une charge ponctuelle bien localisée sur un élément qui peut être une dalle, qui peut être une semelle, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est une déformation sur un point bien localisé. C'est-à-dire, déformation par rapport au point de. Je vais vous montrer, par exemple. Je mets, par exemple, un élément comme ça et je mets une charge. OK? Il y a des charges qui sont réparties dans ce sens. OK? Du coup, la ligne que je vais mettre ici, c'est une ligne rouge qui représente la position initiale. La position verte ici, c'est la position qui est déformée. Bien déformé dû à cette charge ponctuelle qui est bien localisée. OK? Du coup, quand vous calculez le radier, ce qu'il faut vérifier, il faut prendre l'élément prépondérant. L'élément prépondérant, c'est-à-dire, c'est une charge ponctuelle, c'est-à-dire, c'est le poteau ayant les efforts élus les plus importants. C'est ça ce que vous devez savoir. Du coup, en fait, on pose une formule. OK? Et cette formule doit être inférieure ou égale. NU0 représente la charge prépondérante, c'est-à-dire l'élément ayant les efforts élus les plus importants. C'est-à-dire le poteau, par exemple. OK? Donc, c'est une charge ponctuelle qui est égale à 0,045. Ce sont des formules. FC28. OK? Le périmètre, on prend le périmètre, on prend l'épaisseur du radier, on va diviser ça sur gamma B. Vous connaissez toutes ces formules-là. H ici représente l'épaisseur. Ici c'est le périmètre. Ici c'est le FC28 que vous avez utilisé. C'est 0,45. Ici c'est le gamma B, 1,5. Ici c'est le NU0. C'est-à-dire vous allez comparer la charge obtenue après la descente de charge qui est NU0. C'est-à-dire le poteau le plus chargé
Vous prenez sa valeur, vous posez ici, et vous utilisez cette formule pour calculer. Une fois que vous calculez cette formule et que vous trouvez une valeur, cette valeur doit être supérieure ou égale à cette valeur pour éviter qu'il y ait poissonnement au niveau de notre radier général. Voilà, ça sont les secrets quand vous faites le radier qu'il faut connaître. Ok, quand vous êtes ici, pour dimensionner le radier, vous sélectionnez l'élément et vous allez faire appel au module de ferrage. Bien, donc le radier est là. Le reste ne vous intéresse pas. Le placement des poteaux, ça, on va gérer. Ok? Maintenant, avant ça, je vous montre ici. Vous voyez, nous avons une formation de Gretec qui va débuter ce dimanche 4 février et qui se termine le 3 mars 2024. En fait, cette formation, c'est à ne pas manquer. Nous avons un programme gigantesque. Dans ce programme, nous avons même les études du radier général. Donc, dans cette formation, ce séminaire, on va vous montrer toutes les techniques possibles pour faire face à un projet que vous allez dimensionner sur Gretec. Ici, je vous montre toutes les techniques. Ici, on va vous montrer toutes les techniques qu'il faut, les techniques imparables d'un ingénieur qu'il faut pour pouvoir dimensionner un projet. Voilà, le prix est là, voilà, le programme est là, ok. Donc, cette formation peut être en ligne. Vous avez les numéros WhatsApp ici. Vous pouvez contacter les deux numéros qui sont ici, ok. Ça va vous permettre d'être en contact avec le formateur. Vous allez poser vos questions et autres pour des gens qui sont en ligne. Maintenant, pour des gens qui sont, par exemple, à Dakar, vous pouvez venir en présentiel. Ça commence le 4 février de 11h à 15h. Donc, spécialement, Gretec OMD Arche Ossature. Si vous ratez cette formation d'Arche Ossature, ça veut dire que vous avez raté comment dimensionner. Ok? Bien, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, quand vous arrivez ici, nous allons mettre ce qu'on appelle par un coefficient de raideur. Ce coefficient est donné par des formules à travers votre point, votre contrainte du sol. Par exemple, je vais utiliser 8000 et je vais prendre en compte le soulèvement du radier. Ok? Voilà, j'ai fait ça. J'ai mis la réaction du sol ici. Et puis, je vais calculer ce radier. Je calcule. Il me dit calcul terminé avec succès. Je regarde ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, vous devez regarder les hypothèses. Ok? Par exemple, je travaille en fissuration préjudicial. Je regarde, le ferrage est conditionné, la combinaison, tout est là. Hypothèse encore, les enrobages du radier, je vais mettre 5. Ok, 5. Voilà, le calcul, prise en compte du poids propre, le voile en tant qu'appui. Ok. Le maillage, très bien. Ok. Raffiner les poteaux et autres. Option de calcul, on va laisser automatique. Nombre de points aussi. Ok. Module de Young différé. La majoration dynamique, c'est 1,15. Exact. Sur les charges roulantes. Bien. Après ça, il faut interpréter. Parce que c'est ça ce qui est très important quand vous faites le radier. Par exemple, il faut interpréter les résultats obtenus. Si vous n'interprétez pas les résultats obtenus, votre gradier ne sert à rien. Vous voyez? Il faut toujours interpréter. Parce que si vous n'interprétez pas, comment vous allez nous donner? Par exemple, je viens au niveau des sollicitations. Voilà, c'est là où on sait qu'un ingénieur réfléchit quand vous êtes en face du gradier. On se donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h. Pour la suite, pour les gens qui vont participer à la formation.